Le flop. Le flop, c'est... est-ce un flop ? C'est Abdelaziz Bouteflika, qui, à 76 ans, va se représenter pour un quatrième mandat. Il a eu le malheureux, il a été victime d'un AVC, donc il est très diminué, il a du mal à parler, il a un bras qui ne fonctionne plus. Et donc, c'est terrible, parce que c'est à l'image de ce pays, l'Algérie, qui ne se sort pas de cette génération, qui est celle qui avait fait la guerre d'indépendance, mais qui continue à monopoliser le pouvoir avec le parti quasiment unique qui est le FLN, et donc voilà, c'est terrible quoi. Un flop. Le flop, le même que celui qui a été tout à l'heure cité par Gérard, à savoir Bouteflika. On n'a quasiment jamais vu un candidat qui commence avec une telle, un tel flot d'absence de considération. On a peu de difficultés à croire, peu de facilité à croire qu'il est vraiment candidat pour lui-même, et on voit bien qu'il est poussé. Effectivement, il n'a pas pris la parole en public, si je ne me trompe pas, depuis mai 2012. Une difficulté... Il a du mal à parler. Deux hospitalisations qui se sont déroulées à Paris, et effectivement, une Algérie qui est une Algérie avec potentiellement une richesse extrêmement importante, et cette difficulté à pouvoir peser sur le territoire, Bouteflika en étant pour partie à l'image. Les top et flop.